Let's go today. I want you to be.
Merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Pas pour ça en particulier, d'être là sur un festival comme ça, avec rien de ce qu'on pourrait considérer comme des énormes têtes d'affiches qui ramènent plein de gens. On est là entre groupes qui font les trucs au quotidien, à part nous, mais on est là entre groupes qui bougent dans tous les tirades, partout, à faire des concerts. Là, on se retrouve sur une espèce de scène au-dessus de tout le monde et tout. C'est un peu étrange, mais merci de venir à ce genre de concert. Accessoirement, merci d'être là et d'assister par volonté ou non à ce qui s'avère être un dernier concert pour nous. C'est trop chelou, c'est trop bizarre, mais ça nous fait hyper plaisir de jouer devant autant de têtes connues et pas connues. Donc, merci fort. Le prochain morceau s'appelle Wait and See.
Pas à comprendre les blagues qu'il a fait sur la setlist. C'est le seul morceau, il n'y a pas de blague. Eh, parle, Flo-Flo. Flo-Flo, faut que tu parles. Non, sinon je vais dire des trucs tristes et tout, j'ai pas envie de faire ça. Mais c'est la deuxième dernière date, c'est bon. Oui, c'est vrai. Bon, alors comme je l'ai dit il y a 4 ans, c'est hyper triste de finir ce groupe. Prochain morceau s'appelle You Are The Weak Spot. Ça parle d'être persuadé, d'être un peu blindé contre... tous les trucs un peu péraves qui peuvent graviter autour de nous. Et en fait, il y a un truc dont certaines personnes sont douées, qui s'appelle l'empathie. Et c'est ce qui fait que les trucs nuls, même quand tu crois que t'es blindé, ça arrive par les gens autour de toi. Parce que les gens autour de toi, certains, tu les aimes bien. Et des fois, c'est dur. Ce morceau s'appelle You Are The Weak Spot. Prochain morceau s'appelle Mea Culpa. Ça parle de faire des trucs nuls des fois dans sa vie et d'être capable de s'en remettre. D'être capable de demander pardon aux gens qu'on a blessés. C'est un morceau que je raccroche à des trucs qui se passent dans ma vie aujourd'hui. J'aimerais bien que ce soit un morceau qui parle de comment on fait pour pas blacklister les gens autour de nous qui font de la merde. Comment on fait pour
transformer ça en des trucs pas chouettes parce qu'ils font de la merde, mais comment on fait pour avancer? Pour remettre les gens qui ont eu des comportements péraves dans une sorte de droit chemin, comment collectivement on peut sortir des comportements à chier qui nous entourent? J'ai aucune réponse, mais j'aimerais bien que ce morceau il parle de ça. Mais à coup pas. You understand? The time is running out.
Prochain morceau s'appelle Was That What You Expected, Kid. Ça parle de s'imaginer en fonction des personnes être être médecin, être comptable, juriste, s'imaginer être plein de trucs et finir après 400 concerts et des brouettes à faire un concert à Albi. Ça parle de ce genre de trucs. Ça parle de s'imaginer lire des bouquins hyper intéressants dans un canapé en buvant de la tisane et faire des concerts en Biélorussie. Ça parle des directions de vie qui sont pas forcément celles qu'on attendait et qui réservent quand même de très belles surprises. Ce morceau s'appelle Was That What You Expected, Kid. Elle est pour la famille de Toulouse.
Ensemble, le fait de venir à des concerts de rock, le fait de monter dans un camion comme un acte politique en soi, il y a tellement de trucs qu'on fait pas, il y a tellement d'opportunités qu'on manque à être unis comme ça dans des salles de concert, à se regarder dans le blanc des yeux, à se dire qu'on pourrait faire plein de trucs et finalement se contenter de boire des coups. Ce morceau il part de ça, il part de la force collectivement qu'on a et de toute l'énergie qu'on gâche à faire de la merde. Ça parle de tout ce qu'on pourrait faire, de tous ces actes manqués. Et ça parle aussi de tous les trucs cools que plein de gens ici font. Ce morceau s'appelle « What if this was political ?»
merci beaucoup d'avoir tenu jusque-là. On vous laisse avec Diego Palavas. Un petit merci beaucoup d'avoir tenu jusque-là. Particulier à plein de gens qui sont là, qui vraiment méritent qu'on les félicite d'avoir tenu jusque-là, parce que ça fait un moment qu'ils sont là à nous regarder faire les cons sur scène. Merci aux amis, à la famille. Merci aux gens qui nous ont fait jouer tout ce temps-là. Merci aux gens qui ont craqué leur PEL pour sortir nos scuds péraves il y a 10 ans. Rien de tout ça. Rien de tout ça, on le fait tout seul, que ce soit faire des groupes, que ce soit organiser des concerts pareils. Regardez les gens qui sont au bar, regardez les gens qui sont aux entrées. Tout ça, c'est un vœu pieux, c'est une belle idée de communauté. Il y a plein de choses à faire avec tout ça. Merci beaucoup d'en faire partie. Ce morceau s'appelle, à juste titre, We are not done yet, sorry. À Diego Palavas, continuez à rendre des joues, continuez à rendre des gens comme nous moins pourris que ce qu'ils sont, continuez avec des trucs comme ça, à faire en sorte que on essaye tous d'être meilleurs les uns les autres. Merci beaucoup, adieu. Merci, adieu. Merci, virgule.
Adieu.